Et pour des raisons obscures, le monde le connaît. Mais voilà qu'il perdure et c'est la moitié de la terre crève la dalle. Et l'autre se concentre sur son commerce global. L'Occident est une migale qui deal et se rend illégal. Fait mine de s'inquiéter mais ça lui est bien égal. Les modes de vie attisent la course au trésor. À nous de ne pas les suivre, l'amour existe encore. La bête noire de l'avenir, c'est le peuple. Il faut tendre la main pour bâtir l'avenir en or. En regardant plus loin, nous verrons mieux quel est le tableau qui s'offre à nos yeux. Éviter que le globe ne se coupe en deux, tel est l'enjeu. En regardant plus loin, nous verrons mieux quel est le tableau qui s'offre à nos yeux. Que le globe ne se coupe en deux, tel est l'enjeu. Pour se faire respecter la solidarité, il faut qu'ils y pensent. Car aujourd'hui, ils blessent bien plus qu'ils ne pensent. Et le problème est qu'ils s'y retrouvent à entretenir la misère. Et qu'ils se gavent alors que pleurent chaque jour les enfants du Niger. Et merde, est-il possible qu'un jour ou l'autre les peuples qui ne sont pas dans la merde cessent d'être impassibles? En regardant plus loin, nous verrons mieux quel est le tableau qui s'offre à nos yeux. Éviter que le globe ne se coupe en deux, tel est l'enjeu. Marche dessus, exploitant ses mines et bradant tous ses tissus. Nous sommes pris en otage par les règles du marché. Il est bien plus facile de vendre que de partager. Mais où la famine est devenue autodidacte, il faut apprendre à soigner le mal par les actes. N'en attendons pas systématiquement l'appel. Refaire le monde, je ne sais pas, mais lui redonner l'équilibre.